Oui, je viens de relancer le live. Désolé, j'avais aucun moyen de me rendre compte. Il faut que je trouve un système pour avoir une alerte dans. Ah, tu m'as fait peur. C'est bon, c'est revenu. Oh, bah. J'ai reçu un SMS. Merci beaucoup, Alex, hein, de m'avoir prévenu. Ben voilà, j'ai le téléphone. Je suis désolé. Elle m'a fait peur. Mon épouse m'a fait peur. C'est bon, le live est reparti. Depuis quand ça a coupé? Dites-moi depuis quand ça a coupé. Est-ce que ça doit faire un moment? Que je sache. Alors, en tout cas, sachez que là, je n'ai fait que 7 minutes, 5 minutes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps? Je retourne dans le jeu, je vais vous expliquer. En essayant de ne pas couper le live. Donc, en fait, j'ai commencé la partie, je suis réapparu au radeau. Et en fait, tout ce que j'ai fait après être revenu de ma mission précédente n'a pas été fait. Donc je viens de le refaire. En fait, là, depuis 5 minutes, je ne fais que refaire ce qu'on avait fait la dernière fois. En gros, j'ai upgrade. Mais ça, là, le fait de pouvoir courir plus longtemps, une endurance améliorée et un sprint plus discret, c'est un truc qu'on avait fait. J'ai aussi fabriqué 2 ragoûts de ragondin. Magnifique nourriture. J'ai dû aussi vider mon sac et tout recycler dans le bus. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait en fait. Toutes les choses qui n'avaient pas été sauvegardées quand on a quitté la dernière fois et que j'ai donc refaites tout simplement. Donc je n'ai fait que rattraper ce qui n'avait pas été sauvegardé tout simplement. Je vérifie que le live n'a pas coupé, que vous êtes toujours là et que tout va bien pour le coup. Est-ce qu'on est bon? C'est l'horreur. Mais c'est quoi ce délire? Je suis désolé. Mais c'est quoi? J'ai bien fait de vérifier. Vous aviez un gros plan sur ma gueule. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Il y a un vrai problème ce soir. Simplement moi. Merci beaucoup pour cet abonnement. Bonsoir à tous. Bonsoir à toi. Merci beaucoup. C'est Robrine. J'ose plus. J'ose plus jouer. J'ai l'impression que c'est quand je quitte le menu là. Ah, je vais pas être tranquille, je vais avoir l'impression que vous ne suivez pas le live. Bon, je vais partir du principe que c'est bon. Au pire, mon épouse viendra me le dire. On en est où de nos missions? Installer le micro sur la radio du bus. Ah, ben oui, même ça n'a pas été sauvegardé, il va falloir le refaire. C'est un peu pénible. Ah bah je l'ai perdu. Non. Il est revenu dans mon. Oh, falloir refaire la discussion avec le gars, c'est pas possible. Mais pourquoi ça a pas sauvegardé tout ça? Bon, on va essayer de faire ça rapidement. Non, c'est l'autre. Hello. Waterfall. What'd you just say? Waterfall. Je commande pas, je vais vite, hein. On l'a déjà fait la dernière fois, je rattrape. Just someone who enjoys waterfalls. Horse tape, big fan of all. J'avance, hein. J'ai pas. Ah, j'aurais peut-être dû lire. Bon, c'est pas grave. Oui, si, je suis seul. Actually, it's the truth. Your word doesn't mean. Voilà, je l'avais emmerdé, je le fais aussi ce soir. J'ai retrouvé un journal. Just me. Good. Okay. I've got ears everywhere. I hear them gets past me. I get it. Your turn.
the reserve. I've heard of it. You've probably heard more. How about sharing some knowledge? Yeah, well, how would I know? Tu te vantes d'en avoir des oreilles partout. Ouais, ok. Je m'excuse, hein, j'essaie d'aller vite. On le saura, hein, Ivo. La sauvegarde n'avait pas eu lieu, il faudra que je fasse attention pour la suite. Pas avoir à refaire à chaque fois les choses. I came to Nolan Radio. Les autres, je m'excuse, c'est long, hein. They seem interested. I'm telling you. There's no reason. Il y a un truc qui doit se passer normalement un peu plus loin, là-haut. Voilà. Oh, ce n'est pas que le dialogue avait été aussi long. Ah voilà. Ça s'allumait là-bas. Je ne sais pas. C'était quoi ça? On va aller voir. Établir le contact, tâche terminée. Et donc, c'était quoi ça? La conversation avec l'homme de la radio a été interrompue. Un bruit, une lanterne allumée. Quelqu'un d'autre se trouvait dans le cimetière et avait l'intention de me le faire savoir. Enquêter sur le mystérieux son et la lanterne. Allons-y. Je pense qu'il faut aller par là. C'est ouvert. Alors, attention. Je sais plus du tout si on peut avoir affaire à du zombie là. Je pense pas. Ce serait le cas, ce serait pas ouvert comme ça, parce qu'ils les zombies pourraient venir jusqu'au bus. On a un document là que je vais aller voir. Là j'ai pas de clé, hein, on est d'accord. Sauvegarder dans le journal. Oui, je me souviens, c'est là qu'on va trouver la clé, il va falloir qu'on y aille. Je me souviens très bien de ça, avec le camion, et il y a quelque chose qui est caché, mais juste là. Vraiment juste ici. Ah, mais c'est là! Ah oui, ce passage est juste énorme! Ce passage du jeu est juste énorme. Alors, vérifions nos armes. Ok. Ok. On est bon, on y va. Ah bah. Je suis pas assez discret apparemment. Premier combat. Ça se trouve, c'est en jouant à The Walking Dead que je me suis fait du bien au bras. Alors écoutez bien, vous devriez entendre un écho de ma voix. C'est un effet du jeu qui est rajouté quand on est dans des endroits clos comme celui-ci. Et je trouve ça assez sympa. Alors attendez. Faut que je récupère les crânes. Ah ! Bordel ! Il m'a fait flipper ! Mais... J'ai l'impression que les zombies sont beaucoup plus sensibles. On les sent vraiment en éveil, quoi. Ils sont beaucoup plus sensibles qu'avant. Le jeu a dû faire l'objet de mise à jour. Je récupère les crânes qu'il y a dans l'eau, parce que je peux les recycler. Je vais garder mon couteau dans la main. Oh, il y a vraiment moyen de se faire peur ici. J'aimerais bien récupérer le crâne qui est là-bas. S'il te plaît. On est trop loin. Je pense que j'ai déjà fait venir tous les zombies. Hein. Non. Ils sont deux. Je vais pas me battre là-dedans, c'est trop exigu et trop sombre. Si je pouvais éviter de me taper les deux en même temps, ce serait génial.
Je peux pas planter les deux en même temps de toute façon. You! Je suis là, venez! Le voilà. Il est où ton copain? Je deviens bon en tuage de zombies. Je suis là. Oui, je secoue la lampe, c'est comme ça qu'on la recharge. Je dis ça pour ceux qui n'auraient pas suivi les lives précédents, qui pourraient être en train de se demander ce que je suis en train de faire. Je pense qu'on a tué tout le monde. Je regarde s'il n'y a pas des crânes qui traînent, ou des objets à récupérer. Oh là là, il y a un corps sous l'eau, c'est juste... C'est quand même assez hallucinant ce jeu. C'est immense, je ne savais pas que c'était si grand, cette crypte. Qui est en fait un passage, vous allez voir, on va ressortir normalement de l'autre côté. Il faut que je reste vigilant parce que... C'est bon. J'entends une respiration. Je me suis accroupi. Je sais pas où il est. Il y a un document, mais on va le ramasser après avoir vérifié qu'on craint rien. Quoique non, je vais le ramasser tout de suite. Maybe Benoît est une traîtresse. Maybe Benoît est une menteuse et une voleuse. Elle serait prête à dire et à faire n'importe quoi. Là-bas. Elle ne vous aidera pas, elle vous corrompra. Je la considérais comme une membre de ma famille. Je me disais bien, putain. Oh merde! Ils sont trois! Tais-toi, toi, tu me saoules! J'étais mordu? Merde. Ah, oh, je suis stressé. Faut que je me soigne. Est-ce que c'est pas trop ça? Je vais boire un truc. Bon, j'ai absolument pas suivi ce qu'elle me raconte. Ne vous... J'ai... Trois zombies en même temps, c'est chaud. Hein. Je trouve que les zombies sont beaucoup plus difficiles. Ou alors peut-être que j'ai été plus prudent dans mes parties précédentes. Enfin, dans ma partie précédente, mais là j'ai l'impression qu'ils te rushent dessus au moindre pas que tu fais. Ah, mais c'est qu'il faut marcher sans faire de bruit. C'est vrai que j'ai tendance à courir. Voilà, c'est l'endroit qu'on avait sur la photo tout à l'heure. On a l'arche, on a le camion. Et normalement, l'objet qu'on cherche est juste là. On a la clé. Qui ouvre la porte. Qui est là-bas. Je regarde juste s'il n'y a pas des objets à ramasser ici. Dans mon souvenir, il n'y en a pas. Non, il n'y a absolument rien ici. Oh, j'ai flippé. Je me souviens maintenant de ces musiciens. De face comme ça, j'en voyais juste un, j'ai cru que c'était un zombie. Donc on a une clé. C'est pas la clé qui ouvre la porte qui est là. Donc là, je peux courir. Normalement, je crains plus rien. Hein. Les zombies sont... sont morts. Façon de parler. Ouais, j'ai tué des zombies. Je sais absolument pas s'ils sont susceptibles de repop ici, mais au cas où... Je peux prendre son crâne. Non. Ah, je viens d'entendre une notif, mais je l'ai pas eu dans mon casque.
Merci beaucoup. Ah, mais on a un magnifique truc là, j'avais pas vu. Oh, mais c'est génial là-dedans. C'est bon, mission réussie. Je vais pouvoir ouvrir la porte. Non, mais je la referme avec mon corps. Ouvre-toi. Ah, voilà. Je n'avais rien compris ici. Donc là, on a cette lumière qui s'est allumée. Que quelqu'un a forcément allumé, mais qui? Et donc... Ah oui, il faut aller voir la tombe. Enfin, le tombeau. Il y a quelque chose à l'intérieur. Tower. On nous montre quelque chose qui ressemble à une fontaine qui est à la gauche de ce bâtiment Tower. Il n'y a rien derrière. Je sais pas où il peut se trouver, ce bâtiment. Ok. Henri, j'ai trouvé deux nouveaux exilés vers le passage nord. Je les ai mis en sécurité, je leur ai donné des provisions pour quelques jours. Ils m'ont dit que l'autre côté de la tour était devenu impitoyable. Il y a de plus en plus d'exilés chaque semaine, on fait vraiment la différence. Mais à ce rythme, je ne sais pas si on réussira à tenir. Nous allons avoir besoin d'informations sur garder une longueur d'avance sur ces salauds. Ces affiches diffamatrices à mon effigie ne nous aident pas beaucoup. Ambre, comment tu as dû... Je sais que tu veux simplifier notre système de raid des planques de la tour. Mais il faut qu'on agisse dans l'ombre. Le cercueil de Sinclair et la lanterne font parfaitement le travail. Alors on devrait peut-être s'y tenir. La lanterne, quand il a quelque chose pour toi, je l'éteins quand il y en a, et tu l'éteins quand tu trouves quelque chose pour moi. De cette manière, je peux rester à distance et voir ce qui se passe jusqu'à ce que je sache que tout est ok. Comme d'habitude, notre petite Picasso t'a fait un dessin pour te guider jusqu'à ta prochaine planque de la tour. Je sais que je ne suis pas très objective, mais il faut avouer que ma petite est plutôt douée, tu trouves pas? Elle pourra peut-être dessiner ton portrait un jour, Ambre en serait ravie. Même marché que d'habitude pour la planque, tu prends les provisions et je prends les informations. Fais attention à toi. Alors, est-ce qu'elle s'adressait au monsieur à qui appartenait le bus et qui est mort? C'est un peu flou quand même tout ça là. Et donc, est-ce que je peux éteindre ça? Je peux grimper jusqu'où comme ça? Ah non, je peux pas. Ça aurait été marrant. Donc, qu'est-ce qu'on a de nouveau dans notre calepin? La tour et le tombeau. Henri avait un accord avec la femme... Oui, c'est ça. C'est bien ça. C'est bien Henri. C'est le monsieur à qui appartenait le bus que je suis en train de squatter. Et qui est mort, pendu, tête en bas. Henri avait un accord avec la femme la plus recherchée de la Nouvelle-Orléans. Elle lui a révélé l'emplacement des meilleures planques de la tour. Il pouvait garder les provisions et en échange, il lui apportait les informations sur la tour. La planque suivante est à Via Carola. Utilise le dessin pour trouver la planque de la tour et récupérer les informations. Se rendre à Via Carola. Eh bien, écoute, nous y allons. Et je crois que nous sommes plus ou moins à l'endroit où nous en étions restés, ou pratiquement. On n'est pas loin de l'endroit où nous étions restés suite à notre premier live. Ah, j'étais passé à côté de cette image. Mais c'est Henri avec une ombre noire. C'est terrible. Donc là, j'ai absolument pas de nouvel équipement. Donc je ne vais rien pouvoir fabriquer de nouveau. On est d'accord, j'ai pas grand chose, j'ai utilisé mon seul médicament. On va y aller comme ça. Non, je peux recycler les crânes, je vais le faire. Chute de bois, poudre à canon. Ah, je vais peut-être pouvoir upgrader mon pistolet, enfin les balles. Les munitions, est-ce que c'est bon? Absolument pas. Je peux me fabriquer un couteau. Vérifions, est-ce que j'ai une arme au cas où? Parce que ça s'use. Non, je vais fabriquer un couteau. C'est quoi suivre?
Faut mieux être bien armé. Voilà. Parce que celui-là, voilà, ça, il est à, je dirais que sa durée de vie est à 50%. Qu'est-ce que je peux fabriquer d'autre? Des munitions. Il me manque un peu de métal. Dommage. J'ai quoi en munitions? J'ai 12 balles de calibre 30. Bon, on devrait y arriver. On est parti pour Via Carola. Juste, je vais vérifier. Oh non, c'est bon. Allons-y. Je vais peut-être vérifier que vous me suivez toujours en live. Oui, je pense, j'entends des notifs de temps en temps. J'espère que vous passez un bon moment. Je viens vers vous. Ah oui, je m'inquiète de vous. J'ai envie de savoir ce que vous vivez, si tout va bien pour vous. Ah, c'est bon, je crois que je suis toujours en live. C'est parfait. Comment ça va? Salut Jambon. Merci beaucoup pour ce réabonnement de 5 mois. Je t'aime Gus, moi aussi, merci. J'aime le jambon. Merci beaucoup. Spinal, merci beaucoup pour le sub offert à Space Oddities. Il le mérite, hein. Avec son vieil âge. C'est la moindre des choses. Titusta, merci beaucoup pour ce 25e mois d'abonnement. Merci énormément. Merci à Sora Zano aussi pour ce 38e mois d'abonnement. Merci à Monarchie pour ce don. Merci beaucoup. Bonsoir Guillaume, c'est une horreur ce jeu en VR, tellement bien fait. Bon courage, mais c'est clair. Moi je l'adore. Ce jeu, je l'adore. C'est un de mes jeux préférés. Florutis, merci beaucoup pour ce 13e mois d'abonnement. Super de te retrouver en live. Je me réjouis de voir le prochain ZDF. Mais c'est bientôt, c'est dans 10 jours. Simplement, ah, j'ai lu les autres messages. Merci beaucoup. Je suis remonté trop haut là. Merci beaucoup. Bon, tout va bien pour vous? Je vous vois là. Je vous vois sur le chat. Merci Toulou, contente de te voir sur Twitch. J'ai plus l'habitude de suivre tes enquêtes sur YouTube. Ah, je me doute. Il faut que tu manges un peu, Gus. Ah oui, j'étais là. Pourquoi tu me dis ça? Tu me trouves trop maigre. Je vais manger. Merci Alex. Allez, on y retourne. Allez, un petit peu de ragoût dragondin. Ouais, ça m'a un peu requinqué. Bon, on part là-dessus. C'est vrai que je crois que la zone suivante est assez... Attends. J'entends des bruits qui font trop flipper, là. Bon. Dangereux à la tombée de la nuit, impossible de se déplacer. Ah, il faut que j'aille dormir. D'accord. Oui, alors on va dormir. Et mais c'est ça que je devrais faire, c'est dormir, ça permet de sauvegarder. Et on repart demain matin. J'aime bien le post-it. Qui a mis ce post-it? Donc pour dormir, il faut boire un petit coup de rhum, je crois. Donc moi, ça me va. J'aime bien le rhum. Allez, c'est parti. A tout à l'heure. Donc je crois que la mission suivante, quand on avait joué dans la version sous-titrée en français, avait été provision dis... Ah, j'ai pas lu. Ah, j'ai pas lu ce qui se passait. C'est pas grave. Comment dire? Faut que je la laisse allumer, cette radio, constamment? J'aime pas laisser les trucs électriques allumés comme ça. Allez, go. Je sais plus ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est pas grave. La tour est là-bas, hein. On n'y est pas encore. C'est bon. Elle est au fond. Bah, comment je m'y rends? Donc, faut aller au fond, d'accord, allons-y. Les au fond, c'est la zone avec le manoir bleu, donc c'est ce qu'on a fait la fois précédente. Il me semblait qu'on n'était pas obligé de repasser par là pour aller dans la zone suivante. Mais je me trompe peut-être. Attends, on est où là? Les au fond, il faudrait que j'aille ici en fait. Non, je suis là! Il faut que j'aille où alors? Je comprends pas.
J'ai un peu de mal à piger là. Pourquoi je pop là, ici? Bon, attendez, déjà je vais récupérer ça. Comme ça, si on doit fuir, on fuira pas. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose par terre. Ah non. J'avais l'impression qu'il y avait une fourchette. C'est du décor. C'est un aplat de texture. Ok. Ça commence. Oh, oh, c'est magnifique ce que je viens de faire. Oh. Je suis désolé de me régaler de tuer des zombies. Mais je vous cache pas. Le jeu, la sensation qu'on a quand on les éclate est juste extraordinaire. Mais je suis discret, je suis accroupi. C'est pénible. Oh. Je trouve qu'ils ont rendu les zombies beaucoup plus agressifs. Regarde ça, à 60 mètres. Puis il y en a beaucoup là. Hein. On va tous se les faire. Ce qu'il y a, c'est qu'ils repopent. Donc ça sert un peu à rien. Là, il y a un document. Ah, elle va encore nous parler pendant 20 minutes. May Benoit est une traîtresse. On va peut-être pas tous les lire. Hein. Excellent, il y a une pub pour un clavier MIDI, un microphone et un piano électrique. Treated her as if she were my own flesh and blood. Yet she did not hesitate to betray me. She tried to quelqu'un là. My dearest... Ah oui. Non, j'aimerais qu'elle se taise. Elle a essayé de retourner. J'attends qu'elle se taise. Je vais me cacher. She is desperate and will do the same to you. C'est pourquoi elle serait prête à faire exactement la même chose avec vous. Je vais peut-être pas lire toutes les affiches parce qu'à chaque fois, elle raconte la même chose, quoi. Sur May Benoit, est une menace, évitez-la. Si vous lui venez en aide de quelconque manière que ce soit, nous n'aurons pas d'autre choix que de vous considérer comme un ennemi de la tour. Et ce n'est que nous, pas ce que nous voulons. Ok, j'ai compris le message, c'est bon. Ça n'en finit pas. Alors ne nous forcez pas la main, la tour vaincra, mama. Très bien, merci. On va aller voir cette dame, main en l'air. Bonjour, je suis un ami, ne tirez pas. Bonjour. Bonjour. Yes. Je m'en vais. Ok, elle veut me tuer. Ah ! La salope ! Oh, mais j'y crois pas ! Ah, mais non ! Merde ! Oh, la couille ! Oh, la couille ! Oh, la couille ! Oh ! Cours ! Je peux pas courir plus. Elle est où cette conne ? Oh ! Je suis dans la merde, les amis ! Mais clairement, tellement dans la merde ! Ah ! Il y a les zombies ! Ah, si elle pouvait s'occuper des zombies, ce serait génial. Oh ! Oh, j'ai pas compris ! Oh, j'ai pas compris, mais quel merdier ! Quel merdier! Alors, la gestion du flingue en plus n'est pas évidente parce que je sais plus du tout comment on recharge. Ouh, j'ai chaud. Oh, j'ai flippé. Alors, ce qui est embêtant, c'est que je crois que c'est que plus les jours avancent, plus il y a de zombies dans les zones de jeu. Si j'ai bien compris. Bon, je vais vider mon sac, je vais voir ce que je peux faire avec ce que je ramène. Je pense pas grand chose, j'ai pas récupéré beaucoup de matériel. On va dormir, on va pas avoir le choix. Donc j'ai ça que je peux recycler. Je dois être blessé, je me suis pris des balles. C'est tout ? Mais j'avais ramassé beaucoup plus de choses. Pourquoi elle m'a tiré dessus ? Oui, je sais, j'ai un fusil à pompe, mais je crois que j'ai zéro balle.
Donc pour le moment, je le garde. Il me manque du métal. Donc je crois qu'il va falloir que je sois beaucoup plus prudent, beaucoup plus discret. Si je veux pouvoir m'en sortir. Je peux même pas me faire à bouffer. Je suis comment niveau niveau vie? J'ai pas d'informations là-dessus. Signes vitaux, jour de suivi, troisième jour, inventaire de munitions. Cartouche de fusil, a priori de calibre 12. Flèche standard, j'ai 10 flèches, j'ai pas d'arc. Balle de calibre 30, j'en ai 12. Cartouche de fusil de chasse de calibre 12. J'en ai pas, ça déborde un peu. J'ai super chaud. Comment je peux... D'accord. Ouais, il faudrait peut-être que je me soigne. Allez. C'est ça, ça remonte. Mais le soin n'est pas coulé. Donc la nuit est tombée, j'ai pas le choix, il faut que je dorme. Et puis demain matin, j'avise. Mais alors, via Corolla, je peux pas y passer, je peux pas y aller sans passer par les hauts fonds. Il faut que je les retraverse. Bon, on va le faire, mais alors de manière beaucoup plus discrète, demain matin, au réveil. Allez, c'est parti. Alors, je viens vous voir. Anto qui dit, en fait, c'est comme dans la série, il y a des zombies et des humains hostiles. Exactement. Mais on ne sait pas s'ils sont hostiles à la base, mais j'aurais pas dû m'approcher. Elle ne m'a pas laissé le temps de partir. Marco qui dit, c'est ça qui est chiant avec le VR, c'est que ça donne ultra chaud. En fait, c'est pas la VR qui donne chaud, c'est qu'il la fait très chaud aujourd'hui, que je joue dans un espace de 5 mètres carrés, avec le PC, les machines qui tournent, et il fait très vite très chaud. En plus, j'ai travaillé dans la pièce toute la journée, donc il y fait vite chaud. Hein. C'est surtout ça le problème. J'ai baissé un peu le son de mon micro. 1, 2, voilà, parce que ça devait saturer par moment. Pourquoi t'as besoin de picoler pour dormir? Ben, pour oublier. La dureté de ce monde rempli de zombies, j'imagine. Jour 4, aube. Les provisions disponibles ont diminué. Ah, c'est ça. Plus ça va, moyen de provisions. Il est possible que je ne réussisse pas ce jeu. On y retourne. On va faire via Carola, mais... tranquille, quoi. Enfin, on va essayer d'y aller, mais tranquille. Posé, on prend son temps. Même si je mets 20 minutes pour traverser... Il faut que j'y arrive. Et les humains, je les zappe. Pour transpercer un crâne, vous devez effectuer des mouvements très larges. En revanche, ces derniers ne doivent pas nécessairement être rapides. D'accord. C'est bon à savoir pour ma tendinite. J'ai chaud sous le casque, vous pouvez pas imaginer. Ah mais très bien! Attends, on est où là? On pop là cette fois. Mais comment je fais? Ouais, c'est ça, il faut que je traverse. Je me souvenais pas de ça. Il me faut apparaître de l'autre côté de la map, je comprends pas. Donc faut pas marcher trop vite, sinon on est vite repéré, je crois. Il y a quelqu'un là. Elle va me tirer dessus. C'est sûr. En fait, ce que je vais faire, c'est utiliser ces gens pour que eux tuent les zombies, si je peux. Elle m'appelle? Ou je rêve? Je vais y aller tout doucement, je vais même parler pas trop fort parce que je crois que le jeu t'entend. Enfin, je commence à me demander. Il y a un truc là dans l'escalier, j'ai envie de savoir ce que c'est. Une petite cuillère. J'adore les petites cuillères. Non mais non, je suis à quatre pattes. Je peux pas me relever. Ah. Mais non. Où est mon arme? C'est pas vrai.
Mais c'est pas vrai! Mais le jeu est devenu beaucoup trop difficile! J'ai pas réussi à choper mon flingue, et où est passé ma... Ah, là, c'est peut-être cassé tout à l'heure, j'ai pas fait attention. D'où il sortait, lui? Le problème, c'est que ça repop, ces zombies. Le jeu est devenu ultra, ultra, ultra violent, quoi. Enfin, je trouve. J'ai le souvenir qu'on se faisait pas autant agresser. Et c'est peut-être un mauvais souvenir. Non, mais c'est pas possible. Après, hein, on peut pas faire un raid sur un territoire zombie sans croiser de zombies. Je m'en vais. Yes, 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 no problem. Les gens sont pas sympas. Hein. On va essayer de traverser jusqu'à l'autre embarcadère. On verra si ça nous permet d'aller là où on doit se rendre. Il y a un zombie là. C'est bon, il m'a pas vu. Je pense qu'il y en a un derrière le bus jaune. Yes. On va essayer de l'éclater avec ça, j'en rêve depuis le début depuis qu'on a repris le jeu. J'ai pas rechargé. C'est pas le moment. Ah, puis bien sûr, ça a excité l'autre. Non, je l'ai raté. J'ai pas assez enfoncé mon couteau. On reste calme. Tout va bien, tout se passe bien. Ça va aller. C'est quoi ça? Bon, écoutez, j'avance parce que je vais y aller au couteau de toute façon. Le flingue, je m'en sors pas. Là, il y a des trucs que je veux récupérer. Ah, je suis repéré. Non ? Il me semblait que ce son, on l'entend quand on est repéré. Alors, je vais recharger le flingue, je vais essayer. Comment je fais ? Ah, mais... Attends, toi d'abord. C'est pas possible ! En plus, je fatigue, moi. Oh, merde. C'est pas vrai. Non, je regrette, là, parce que j'ai la bombe qui est posée juste là. Oh, c'est pas possible. Oh, mais non! Je suis épuisé. Faut que je mange. C'est chaud. Faut que je me refasse une santé complète, quoi. Allez. Ce que j'aimerais, c'est recharger mon flingue. Je sais plus comment on fait. Je vais aller voir sur le didacticiel du jeu. Et je crois que mon arme... Ouais, il faut que je... C'est l'horreur. Ouais, il va bientôt péter, mon couteau. Traf, fait chier. Est-ce qu'on est loin de l'embarcadère, là? Carrément. Pff, c'est chaud. Allez, on y va. Donc là, on peut dire au revoir à mon couteau. Je peux pas continuer dans ces conditions. Il faut que je réussisse à recharger mon pistolet. J'ai mis qu'une balle tout à l'heure. Est-ce que j'ai accès à... Attendez. Est-ce que j'ai accès à un didacticiel quelque part ? Option.
Contrôle vidéo audio ATH. Je me souviens plus du tout comment on fait pour contrôle des commandes. Qu'est-ce que c'est ça ? Éjecter les munitions. S'accroupir. Éjecter les munitions. Contrôle. Ah, c'est une catastrophe. J'ai chaud, je suis en nage. Bon, là, on a encore un mec. Bon, on va voir. Où est mon flingue ? J'ai dû le laisser derrière moi. Ouais, j'ai plus d'armes. Donc là, je suis mal. On va courir. Je peux y arriver en courant. Ai-je le choix ? Repose-toi, faut que je récupère. Tant que c'est calme. Ouh. On y est presque. Faut que j'arrive à l'embarcadère. Une arme. Cette bouteille fera parfaitement l'affaire. Je continue de récupérer quelques équipements parce que je risque de manquer cruellement de matériel. Faut que je remplisse mon sac à dos parce que là je vais pas pouvoir continuer. Il va falloir que je retourne à mon bus. Enfin, j'en sais rien. En fait, faut pas chercher à se battre forcément. Je vois qu'en courant, si je suis pas trop affaibli, je peux m'en sortir. J'entends du zombie, mais ils doivent être dans les maisons. J'espère. Là, c'est plutôt calme. Purée, si je m'en sors... Oh, est-ce que je vais lire ça à nouveau ? Non, c'est très pénible de lire les affiches. J'abandonne. J'ai compris le message. On a un zombie juste là. On va pas y aller. C'est bon. Je suis arrivé jusqu'au bateau. On va voir si ça me permet d'aller... je sais plus le nom. À l'endroit où on doit se rendre. J'ai récupéré la bouteille qui est là aussi. Ça peut servir d'arme. Au final, on va essayer d'y arriver en survivant comme on peut. Avec le peu de trucs qui m'entourent. Carrément, je peux la mettre dans ma... Et mon pistolet. Pour le coup, je l'ai pas récupéré. Mais quel con. Bon, c'est pas grave. J'aime pas les armes à feu. Et je peux pas y aller. Et je ne peux pas y aller. C'est pas par là? C'est où le passage? Je comprends pas. Je comprends pas. Utiliser le dessin pour retrouver la planque de la tour et récupérer l'information. Ah d'accord. C'est celui-là. Donc est-ce que c'est ici ça pour le coup ? Un truc marqué Tower quelque part ici. Ce serait pas ça ? Non. Il y a deux zombies là-bas. Je vais peut-être mettre la pause, venir voir ce que vous en pensez, parce que franchement, ça me paraît bizarre. Zombie là-bas, qui m'a vu ? Je vais me la faire. Alors, est-ce que je peux l'attaquer comme ça ? Ah oui d'accord, ça sert qu'une fois. Ça ne sert qu'une fois.
Ça, c'est la maison bleue, donc ça n'a rien à voir. Oh putain. Ça, ça veut dire que les cloches vont sonner dans peu de temps. Quand les cloches sonnent, c'est la horde. C'est le gros raid. Je peux pas rester. Fais chier. Non, zut. Je suis grossier. Ça y est, ça commence. Avant de partir, je vais essayer de récupérer quand même. Est-ce que j'ai encore de la place? Oh non, c'est bon, je suis parti. Je reste pas. C'est trop chaud. Je suis pas sûr d'y arriver, hein. Je vais venir vers vous pour voir ce que vous en pensez. C'est chaud, là. Il y a un truc que je dois pas faire correctement. Ah, je suis dégoûté pour mon flingue. Qu'est-ce que vous en pensez? A retenu un message pour... C'est là, non, il y a... Non, non, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Je sais pas où c'est. Il faut une fontaine tout près d'un bâtiment. Mais c'est pas dans cette zone. C'est pas vrai. Pourquoi je passe en mode comme ça? Je pense que l'endroit où on doit aller, il a l'air cool, le jeu. Le jeu est extra. Le jeu est génial. Mais là, il y a une horloge sur le sommet de la maison et tout, tu dois aller, il me semble. Oui, j'ai vu ça, Sergio, mais... C'est pas du tout, comment dire... Je pense que c'est pas dans cette zone, c'est dans la zone suivante. Et peut-être qu'il faut passer par un autre endroit pour s'y rendre, et pas par le bateau. Je me souviens plus du tout. T'as eu un raid. Un raid de qui? Lindre, merci beaucoup pour ce réabonnement, merci beaucoup. Bonjour à toi et merci pour ton taf, le paranormal, c'est la vie. Non, pas forcément, mais c'est intéressant. Jérôme, merci beaucoup pour le réabonnement de 5 mois, merci à toi. T'es peut-être au bas de la carte. Refais un couteau, Gus. Gus, pense au micro pour les zombies. Pense au micro pour les zombies? Ah, tu crois que si je parle, ils m'entendent? Bonsoir, comment vas-tu, Gus? Très bien, merci beaucoup. Red Shadow Légende. Je crois que c'est depuis le cimetière. La question con... La question con... Bonsoir, Gus, merci pour ta bonne humeur. Merci beaucoup, Blaise. Red de Agent Shirley. Ben, merci beaucoup à elle. Mais alors, est-ce qu'ils sont restés, ces abonnés? Je sais pas. En tout cas, si c'est le cas, merci beaucoup. Je le vois pas, le Red. C'est pas apparu dans ma liste des événements qui se sont produits. Sauvage qui me dit, ils t'entendent, les zombies. Oui. Ah, je peux pas animer le live, alors. Mais moi, j'ai pas osé la faire. Avec ton micro du casque. Vous êtes sérieux? Oui, ta voix est dans le jeu. Fais le stock de bouffe. Fais le stock de bouffe, mais je veux bien. Mais vous avez vu le peu de matos que j'ai? On est loin d'avoir réussi cette histoire. J'ai l'impression qu'ils ont corsé le niveau. Pas le souvenir que c'était aussi difficile. Là, j'ai l'impression de gaspiller le peu de ressources que je trouve. J'ai l'impression que c'est galère. C'est très galère. On va essayer de recycler un max de trucs. Donc ça, fusil cassé. Si ça veut bien rentrer dans ma poubelle, c'est bon. La gamelle du chien, le cadenas, ça c'est du fer. Non, ça je garde, c'est ma nourriture. Le combiné téléphonique. J'ai pas pensé à utiliser mon minuteur. Un livre, Tom Clancy. Pistolet, clope, ça c'est bon, c'est de la canette, ça se boit. Ça aussi. Tequila, téléphone, petite cuillère. Chaussures, ragout toutou. Alors ça, j'hésite, ça peut me servir d'arme. Mais une fois. Sinon, ça me donne quoi? Matériaux, objet tranchant, malheur. Allez. Pas évident de recycler le fusil. C'est tout ce que j'ai. Niveau santé, bon, ça va à peu près. J'ai été dans un pire état. Allons voir ce qu'on peut fabriquer. Couteau, donc pas le choix. Hein. C'est quoi suivre? On va fabriquer, mais je sais pas ce que c'est que suivre. Est-ce qu'on peut fabriquer un nouveau flingue? Oui. Revolver calibre 30. Alors attendez, avant, est-ce que la nourriture serait pas une meilleure idée? 24, 2, 2, 15, 2, 3, 1. Aux protéines, fibres, épices.
Châssis de pistolet, écrou et boulon, métal malable, c'est bon. C'est bon, j'ai fabriqué un flingue. Alors, on va s'entraîner à le... à le charger. Non mais... alors il faut que je me tripote pour récupérer... non, faut que je fasse... faut que je... normalement, les munitions sont à ce niveau-là. C'est très très complexe pour recharger. Je prends mon couteau à chaque fois. Mais... je piche pas. Quand j'ai tendance à aller trop vite, je jette mes armes. Bon, on verra après pour le flingue. Je vais fabriquer de la bonne nourriture. Ah, c'est tout! Ok, c'est mieux que rien. Et alors, comment on fait pour recharger? Il y a 6 balles là-dedans, on dirait, déjà. C'est qu'en fait, je peux pas le recharger. Il est déjà chargé. Il y a 6 balles à l'intérieur. Ensuite, donc je veux revoir ce qui nous est expliqué. Utiliser le dessin pour trouver la planque de la tour et récupérer les informations. Se rendre à Via Carola. Moi, je pense qu'il faut se rendre à Via Carola, dont j'ai pas le... il n'y a pas d'autre accès. J'ai peut-être un autre accès quelque part. On va voir. Est-ce qu'ils sont repop? Eh oui, non, mais là, je me rends... ah, il y a la porte après à l'intérieur qui mène ailleurs. La porte qui est dans le tunnel, là, dans la crypte. Mais c'est pas par là qu'on va à Via Carola. Je vois absolument pas par où je dois passer. Ça me perturbe. Est-ce que quelqu'un peut me trouver la solution sur le web, s'il vous plaît? On en est là, hein. En ce moment du jeu, on en est là. Il faut trouver la solution, moi je ne l'ai pas. S'il vous plaît, aidez-moi. Bon, je vais re-regarder le plan qui est à l'intérieur. Est-ce qu'on a des informations ici? C'est là que je dois aller, mais comment je fais? Je comprends pas. Alors, est-ce que vous savez? Tu cliques pour Via Carola et arrivé au haut fond, tu seras à la deuxième sortie et tu redémarreras et tu redemandes à aller à Via Carola en Talior. Merci beaucoup. T'es sûr de toi? Sans strip autant qu'on recherche son calibre. Exactement. Ah, j'en dis des conneries. Donc, essaye d'abord de trouver la planque du dessin dans la première zone. Je pense pas, Alex, hein, qu'elle soit dans la première zone. J'en suis même sûr. On va tenter ça. On va tenter ça. Tu triches, c'est pas bien. Toujours. Dans les jeux, toujours. Non, non, mais c'est l'idée de faire un live. C'est d'abord de trouver la planque des sympas. Sinon, on va devoir... je vais mourir, on va devoir recommencer. Il doit y avoir de l'eau là-bas. Tu cliques pour Via Carola et arriver au fond, tu seras à la deuxième sortie. Tu redemandes d'aller à Via Carola. C'est l'heure de la deuxième place à gagner. Merci beaucoup. Merci, Marie. C'est adorable de ta part de me le rappeler. Deuxième place à gagner. À gagner, pardon. Effectivement, merci beaucoup. Nitract, est-ce que tu es prêt? Jeu de rapidité ce soir, la première place a été gagnée tout à l'heure. Je pose une question qui est notée sur ce papier. Est-ce que je peux lire? Mais carrément, je peux lire. En fait, il y a des caméras qui permettent de voir la pièce où je me trouve. Mais de là à réussir à lire ce qui est écrit, qu'est-ce que j'ai marqué? Je ne sais pas. J'essaie de me rappeler de ma question. La question est la suivante.
Non, je vais quand même essayer de la lire parce que si je me... ce serait dommage de se gourer. Non, je ne peux pas la lire, j'ai pas mes lunettes. La question est la suivante. Attention, pour gagner une place pour le Geek Festival Virtual Experience qui a lieu ce week-end, samedi, dimanche, et auquel je serai, j'y suis moi à 14h dans conférence dans la chambre. Je serai dans une chambre, venez me rejoindre, dans la salle de conférence Stranger Things. Samedi à 14h et dimanche à 11h, place de quoi, voilà, je viens de l'expliquer. Et donc, Nitract, je rappelle que c'est le premier qui donne la bonne réponse à la question que je vais poser qui l'emporte. Deuxième question. Bien entendu, je n'accepte les réponses qu'à partir du moment où je pose la question, je dis top et la première bonne réponse l'emporte. C'est parti. En tout, combien de nuits ai-je passé dans le cadre des enquêtes chez Didier ? Combien de nuits ai-je passé chez Didier dans le cadre des enquêtes pour chasseurs de fantômes ? Combien de nuits chez Didier pour chasseurs de fantômes ? La bonne réponse a été donnée. Alors, je ne sais pas quel est le premier qui l'a donné, mais la bonne réponse est donnée. Pas suffisamment. Très bonne réponse. Oh, j'aurais presque envie que ce soit toi qui gagne, mais c'est pas ça. C'est bon, on a la réponse. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous d'avoir joué, d'avoir essayé. Désolé pour ceux qui ont été moins rapides que les autres. Il y a eu deux épisodes chez Didier. Épisode 1, épisode 2 chez Didier. Non, trois épisodes chez Didier. Il y en a eu trois. Il y a eu trois épisodes chez Didier et il y a eu trois nids. J'ai pas dit top. Ah, je suis désolé, Astros. T'as raison. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est trop tard. Il y a eu trois nuits, effectivement, chez Didier, donc c'est le numéro 3. La première fois où je me suis rendu chez Didier pour Chasseur de fantômes, j'y ai passé une nuit. Et la deuxième fois, j'y ai passé deux nuits, donc ça fait 3. Tu n'as pas dit top. Oui, j'ai oublié. Vous m'en voulez beaucoup ? Je suis désolé. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop. On a un gagnant. Écoutez, de toute façon, vous auriez peut-être perdu quand même. Je ne sais pas. Non, mais voilà. Merci d'avoir joué. Je suis content de vous les avoir offerts. Merci au BGF d'avoir permis ça. Il a dit trop top. J'ai dit top ? Ok, bon, ça marche. Je ne me souviens pas. Moi-même, je ne me souviens pas de l'avoir dit. Hein. Et félicitations, gagnant. On a le gagnant, Nitract. Est-ce que tu peux me le préciser ? Donc, Nitract va venir vers toi pour récupérer ton prénom, ton nom et un mail que moi, je rentrerai ensuite dans un formulaire d'acceptation au sein du BGF et tu seras Blue Code. Ok, bah bravo à toi si c'est Blue Code. Nitract, tu es censé rentrer en contact avec lui via normalement le système de messagerie de Twitch. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, à tous. Vous pouvez tous partir maintenant, le jeu est terminé. Non, je déconne. Quelle heure est-il ? Plus sérieusement, est-ce que je peux avoir l'heure quelque part ? 22h36. Écoutez, moi, ce que je propose... c'est que je sais, est-ce que j'ai dormi déjà ? Si j'ai pas dormi, je dors et au petit matin, on reprend le bateau. On va essayer d'aller à Via Carola. Je pense que la solution nous a été donnée par je ne sais plus ton prénom, merci beaucoup, enfin ton pseudo, mais merci beaucoup. Donc effectivement, j'ai pas dormi, je perds mes nuits, là ça m'énerve. Et bêtement en plus. Jour 5, aube. Les provisions disponibles ont diminué, le nombre des morts ont grossi. Super. Mais t'imagines si je passe 15 jours comme ça, rien foutre dans mon bus, à pas avancer. Allez, on y va, on perd pas de temps. J'aurais aimé pouvoir manger et me soigner, mais bon, on le fera plus tard. Alors, on espère que ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, j'arrête le jeu pour ce soir. Et on verra, il faudra que je me renseigne sur... j'essaie de comprendre. Alors, tu me dis... Ah, voilà. J'ai honte, j'ai envie de me cacher. Vous avez vu ce que je viens de faire ? Je viens de cliquer sur Via Carola et j'y vais. Je viens de perdre mon temps, là, en fait. Je viens de perdre 3 jours de survie, ou 2 jours, pour rien. On va tenter Via Carola, on va essayer de trouver le bâtiment. Donc là, normalement, on a Via Carola. Dans une... Exactement. On est ici. Bonaparte. Congénial. Un bâtiment jaune, un bâtiment bleu. On va re-regarder. On va... Mon flingue. On va re-regarder la photo. Le dessin, je veux dire. Placement Via Carola.
Donc, tower, un bâtiment. Je vois pas du tout l'horloge dont tu parles qui est dessus normalement. C'est pas une horloge, c'est une espèce de soupir. Ah si, peut-être. Ouais, y a peut-être un, peut-être une horloge. Ok, une entrée un peu jolie, balconée, tout ça. Et normalement, une fontaine avec quelque chose de particulier ici qu'on va essayer de trouver. On y va. Oh, le petit vélo. On peut pas prendre le petit vélo pour y aller? Qu'est-ce que c'est? Nudge n'est pas la réponse au cas où. Engagez-vous auprès d'une communauté. Ah, elle me saoule. J'ai vu bouger là-bas. Bon, écoutez, vous savez quoi? Je vais me taire parce qu'on me repère trop facilement, là. C'est pas ce que je voulais faire. Within our walls, your needs will be met. Within our walls, life goes on. The tower will always stand. Mama. Alors, je vous le dis, je ne vais plus parler. Pour voir si je me fais repérer de la même manière. Ne vous étonnez pas si je ne dis plus rien. C'est pour voir si on me repère. What the fuck? Ça n'a pas marché. J'ai failli me planter moi-même. Bon, ça a très mal fonctionné le coup du... Est-ce que ce serait pas cette maison là-bas? Si, je crois qu'on... Je l'ai sous les yeux. J'ai trouvé la maison. Je récupère ce qui est là. Les bouteilles, j'aime bien parce que je peux en faire des armes si besoin. On va aller jusqu'à... Il y a un zombie qui s'excite tout seul là-bas. Oh, il y a une boisson là-bas, il me la faut. C'est bon, je suis repéré, mais c'est pas grave. Je veux ça. Ça tire là-bas. Qu'est-ce qu'on a là? Des céréales. Putain, mais ça pétarade. Wow. D'une force. Je suis en flip, je vous jure, je suis en panique. Ah! C'est quoi ça? De la bouffe. De la mauvaise bouffe, mais je pourrais en faire quelque chose. Pour que c'est pas sur moi qu'on tire, hein. C'est sur les zombies, je pense. Il y a tellement de trucs à ramasser. La maison, elle est par là. J'entendais pas, c'est horrible. Je me blinde. Je me blinde. Je prends tout ce que je trouve. Au maximum. Là, ça m'intéresse. Ça peut se boire, ça peut redonner de l'énergie. Oh, il m'a vu. Fais chier, non, c'est pas grave. Allez, je crois que la maison est juste là. Regardez, c'est elle, là. Je
Tu reconnais l'espèce d'horloge en dessous du soupirail. Il y a la fumée en plus qui sort de la cheminée. C'est ici. Allons-y. Merde, il y a des humains. J'espère que je vais pas me faire buter. Ah, mais c'est la guerre. Ah, mais je me souviens de ça. Ils sont en train de s'entretuer. Il en a après moi, là, non? Je fais quoi, moi, dans cette histoire? Je vais essayer de passer par une voie de traverse. Bonjour. Attendez, faut que je relise le... Faut que je relise... Oh merde, je n'ai pas entendu arriver celui-là. Faut que je relise mon ordre de mission, là. Je suis un peu perdu. Utiliser le dessin pour trouver la planque. Ah ouais, mais il y a du monde, là. On va essayer de les éviter en passant par derrière. Je pense qu'il y a peut-être moyen de prendre un chemin annexe. Il n'y a pas un passage par là? Par là. Donc mon sac à dos est plein de cochonneries. C'est un zombie? Oui, je crois. Bon, je vais pas y aller. Quoi qu'il y ait une échelle, ça se trouve, il faut prendre l'échelle. Je vais aller voir par là d'abord. Oh. Ah d'accord, c'est complètement... Allez là! Je pense que c'est elle. C'est la fontaine. Alors, c'est complètement piégé. Ok, donc j'ai pas le choix. Je vais devoir passer par là. T'as perdu une chaussure! Je vais devoir passer par là. Bonjour! Des munitions. C'est quoi ça? Nourriture. Je suis repéré ou pas? Je vais la manger. Je suis blessé, qu'est-ce qui m'arrive? Un kit. Mais ça, c'est super intéressant. Oh, y a des super trucs, là. Je vais jeter. Il y a quelqu'un juste derrière. Quand même chaud. Donc l'idée c'est de monter là. Et attrape-moi ce barreau. Je sais pas si les monstres, enfin si les ennemis m'entendent dans ce jeu. Putain, ça tire. C'est sur moi que ça tire ou pas? Ah, regardez. Je pourrais éventuellement passer par là. Ils sont occupés, on va y aller discrètement. Je sais pas du tout comment je peux m'en sortir. C'est un mystère. Ça me soigne pas des masses. Oh non, mais c'est une horreur. Désolé. Je suis désolé, madame. Faut pas que je parle trop fort, en fait. Je me fais repérer, je crois. Fait chier.
Oh, ils arrivent tous là. J'entends tellement de bruit de pas. Putain, j'ai mal au bras. Ça craint. Ah, oh, ça craint trop. Est-ce que je peux rentrer là-dedans? Non! Oh, fais chier! Ah, je suis mort. J'ai joué comme une merde. Ah, j'ai joué comme une merde. Mais c'est trop chaud, puis j'en nage. Oh la vache. Alors attendez, j'ai deux options. Je vais reprendre et continuer. Reprendre et continuer. J'avais pas vu la bonbonne de gaz. J'aurais pu la poser, la faire éclater, tuer tout le monde en un coup avec une balle. Pourtant, je visais bien. J'ai pas compris pourquoi je l'ai pas touché à plusieurs reprises. Oh, je suis dégoûté. Continuer ou reprendre ? Continuer ou reprendre ? Je fais pas la différence entre les deux. Qu'est-ce que vous feriez, vous ? Non, mais le jeu est dur, là. Le jeu est vraiment difficile. Il y avait deux fois le même mec, en plus. Pire chose à faire avec cette chaleur. C'est du sport de tuer des zombies, mais carrément. Et en plus, tu vois, autant j'ai ma tendinite va mieux, mais le fait de tendre le bras pour tirer, ça m'a fait mal. Continuer, perso, reprendre. Ah bah non, mais mettez-vous d'accord. Je vais faire confiance en Jambon, que je connais depuis plus longtemps. Question, quand tu meurs, est-ce que tu perds tout? Mais je ne sais pas. Moi, je reviendrai au menu. Reprendre. Continuer, reprendre. On a plus de reprendre. Je vais reprendre. Recommencer le niveau. Toute votre progression dans ce niveau sera perdue. Attendez. Là, ça mérite réflexion. Il est 22h50. Vous savez quoi? On va en rester là pour ce soir. Parce que le niveau, là, je ne vais pas le torcher en 10 minutes. Que je dois me coucher relativement tôt demain matin. J'ai kiné assez tôt. J'ai une grosse journée de boulot. Je suis levé depuis 7h ce matin. Enfin, je suis réveillé depuis 7h ce matin. Je travaille toute la journée. J'ai chaud, là. Je ne me vois pas continuer maintenant. La prochaine fois, on essaiera de passer ce niveau. Normalement, vu l'endroit où j'ai dormi, si là maintenant, si je quitte maintenant, on va reprendre avant cette mort. Je crois. Hein. Vous en pensez quoi? Je pense que c'est ce qui va se passer. Little Witch, si tu meurs, tu vas devoir retrouver ton sac sans équipement. Le choix du bouton de jeu pour continuer plus dur que le jeu lui-même. Oh mais quel troll. Mais oui. Fais non et clique sur continuer. Allez, on va faire continuer. Attendez, vous ne me voyez plus? Enfin, vous ne voyez plus le jeu? Réapparaissez au skiff en conservant toute votre progression du niveau. Votre équipement se trouvera à l'endroit de votre mort. Non, mais je vais être incapable de... Ah oui, voilà, je vais être incapable de retourner à l'endroit de ma mort. Quoi qu'on y est vite? Non, on n'y est pas vite, j'ai plus rien. Allez, on tente. On tente. Mais ça va être chaud. Hein. Ah, mais j'ai quand même un couteau. Attendez, je sais quoi le délire là. On reprend. On refait le niveau. Je pensais que je devais plus avoir d'équipement. On va voir. Alors, ça commence. Bonjour. Bonjour. Oh, t'es beau, toi. Ah oui, l'équipement, je le vois là-bas. On va essayer de le récupérer. Je m'en vais. C'est bon, je pars. Putain. Les gens sont tendus ici. Bonjour. Ah, j'ai plus d'armes. Enfin, j'ai mon flingue. Je me tais parce que je me fais repérer sinon.
Il m'a vu. Je crois que je suis repéré. On va préparer le piège. Allez, viens, je t'attends. Allez! Il y en a un autre. Combien de balles il me reste? 3. Normalement j'ai buté tout le monde là. Non. Là. Il en a appris quelqu'un d'autre. Il est sur le walker. Je vois le truc que je dois aller chercher, il est là-bas. Comment je fais pour descendre? Est-ce que je peux passer par là? Je peux pas. Ça fait chier. C'est moi ou c'est un zombie? Ah, ils se relèvent en zombie, les mecs! Mais évidemment! Mais évidemment! Oh, c'est fou! Ça craint. Mais putain, je voudrais la jeter là-bas. Tiens. Merde, je m'en sors pas. C'est pas vrai. Foiré. Il faut que je recharge. Je pensais pas qu'il y avait autant de monde. C'est pas possible. Donc c'est clairement une mission. Oh, ils sont juste derrière moi. Éject, voilà. J'ai que 3 balles. Attends, attends, éject. À combien là? 5. Mais quel con! J'en ai plus. J'ai pas intérêt de rater mes tirs. Là. Je comprends rien au jeu. Je vous cache pas que là. Oh! Bordel de merde! Je me casse. Mais non! J'en ai marre! Je suis tombé dans le trou! J'ai pas réussi à choper l'échelle! Il fait trop chaud! Oh, c'est pas vrai! Recommencez le niveau. Toute votre progression dans ce niveau sera perdue. Oui.
On va arrêter, on le tentera la prochaine fois. Là, je dois prendre du recul sur cette expérience. Je crois que je dois prendre du recul sur cette expérience. Je n'en peux plus. C'est trop chaud. Ah la vache. Je vais juste regarder d'où je repars. De là. Bon, on repartira de là la prochaine fois. Il faudra que je le retente. Il y a un Beans. Je pense que je dois devoir éviter de me battre contre tous ces gens. Il doit y avoir moyen de se faufiler jusqu'à l'endroit. Peut-être que j'aurais dû les attirer d'un côté. Enfin, passer là où on voit, vous savez, des fils tendus avec des canettes. Une espèce de piège. J'aurais dû passer par là, je pense. Il faudra que je le tente la prochaine fois. Mais là, là, je me sens pas de continuer. J'ai beaucoup trop chaud. Et puis, de toute façon, il est 23h. C'est l'heure que je me fixe en général pour arrêter. Sur ce, chers amis, je vous souhaite une très très bonne nuit. Merci d'avoir été là. Merci pour votre patience. Prochaine fois, on va y arriver, je suis sûr. Voilà. Faut viser leur oreille droite. Visiblement, il y a un léger décalage. Bon, oui, effectivement, j'ai remarqué que... Il faudrait peut-être que je reconfigure mon système VR, en fait. J'ai un peu de mal à... pas une grande précision de tir. Hein. Merci à tous. Je vous embrasse tous très très fort. Merci d'avoir été là ce soir. Est-ce qu'il y a eu des messages? Oui, monsieur. Monsieur Kat, merci pour ce réabonnement de 2 mois. Merci à Lingdre aussi pour ce réabonnement de 2 mois. Bonjour à toi et merci pour ton taf. J'avais lu ton message, je parle dans sa vie, autant pour moi. J'ai déjà lu ton message. Merci beaucoup à tous. J'aimerais pouvoir faire plus de live. Vous savez que c'est compliqué. Je ne sais pas si on se retrouve jeudi. En ce moment, entre le boulot, la vie de famille, c'est pas évident de placer des lives. Voilà. Donc, je vais essayer de le faire. Je vous promets pas pour jeudi prochain. On verra. Voilà. Sur ce, au pire, à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Je vous embrasse tous très très fort. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao.